Bienvenue sur BNews USA. BNews. Le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des Bayous Louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression Cajun de la semaine. Un podcast à consommer sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. BNews USA, épisode 202, BNews en vadrouille. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Mais où sommes-ils? Où sommes-ils? Eh bien, nous sommes... on est sur le lac, là, non, c'est ça? Le lac Maurepas, quasiment. Oui, non, pas tout à fait. Et, alors, parle un peu plus fort, Stéphane. Oui, le lac Clément, disais-je. Non, pas du tout. On est en vadrouille aujourd'hui. Ça fait, ben, on a eu l'autre jour, c'était, je crois que c'était Jérémy, pendant l'épisode 200, qui a demandé quand est-ce qu'on allait faire un épisode un peu en vadrouille dans les brasseries, etc. Eh bien, c'est chose faite aujourd'hui, n'est-ce pas? Absolument, mais où m'amène-t-il? Où m'amène-t-il? Ah ben, c'est-à-dire que là, Stéphane, il a les yeux bandés, il ne sait pas où il va. Je l'ai menotté. On va à Hammond, dont on vous parle souvent. Et dans quelle brasserie va-t-on aller, Stéphane? C'est vraiment surprenant. Peut-être un Gnarly Barley, peut-être. J'ai dit ça au hasard, tout à fait au hasard, mais complètement par hasard. Oui. Alors, on va s'arrêter aussi au Red, White and Brew, dont on vous parle souvent. Ça peut être intéressant. Et on va voir plein d'autres choses. On a fait un épisode à Hammond, pas uniquement dans la brasserie. C'est bien la brasserie, mais bon, voilà. Il y a d'autres choses à faire aussi. Absolument. Très bien. Donc on va traîner nos guêtres. Et puis, voilà, on vous laisse. Là, on est sur la route, donc, comme vous pouvez l'entendre. Et on va arriver... on va aller manger d'abord. Et puis après, on va à la brasserie. Donc on vous retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Mais non, c'est pas la fin de l'épisode encore. À tout de suite. Ben voilà, on vient de manger, Stéphane. Beaucoup manger. Beaucoup manger, c'est pas ta pensée, ça. Beaucoup manger mexicain. On est allé chez Red, White and Brew. Oui, on a ramené quelque chose pour l'épisode. Oui, et d'autres choses pour le frigo. Voilà, donc on va tester tout ça, quoi. Nous nous trouvons là, Downtown Hammond. Voilà. Peut-être vous entendez un petit peu les bruits de voiture et tout ça. C'est un centre-ville coquet. Oui. Refait. Mm-hmm. Au restaurant mexicain, évidemment, nous avons bu de la Pacifico. Bien sûr. C'était pratiquement obligatoire avec la nourriture. Bon, excellente, mais en grande quantité. Oui, alors on a marché jusqu'à Red, White and Brew pour un petit peu faire la digestion. Pour digérer, oui. Et donc, prochain arrêt, Gnarly Barley. Gnarly Barley. À tout de suite. Voilà, on est assis à la brasserie, on vient de prendre, je ne sais plus comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle, Stéphane? Il y a un 8 dedans. C'est la 8. C'est la 8, bon. Alors, c'est une New England IPA. De 8 degrés, je pense. Nouvellement sortie, qu'on ne trouve pas encore dans le commerce. Et que j'ai mis sur les réseaux. J'ai failli parler dans mon verre. J'ai l'enregistreur à la main et le verre dans l'autre et je me suis trompé. T'as failli boire l'enregistreur. C'est ça. Alors, on y va. Tiens. À votre santé, les auditeurs et les auditrices. La couleur. Oh là là, c'est écoute. C'est le jus de fruits. Oui. Jus de fruits. La couleur, c'est le jus de fruits. On dirait un jus d'orange naturel, pressé. Une petite tête qui part assez rapidement. Enfin, ça reste de l'excellence. Magnifique. Au nez. Agrumes à fond. Oh oui. Ananas. Ouais, ananas, effectivement. Mangue. Ouais. Oui, c'est ça. Ananas, mangue, je sens rien d'autre. Oh. Peaches un petit peu, oui. Oui. Ça sent le fruit frais et naturel. On a carrément là à la source. Magnifique, on y va? Oui.
Waouh. Parfait. Parfait dans le style. C'est extraordinaire. On s'excuse pour le bruit des ventilateurs et la musique intempestive. Mais là, c'est sublime. Ils font beaucoup de réglisse aussi, je ne sais pas si tu le sens. Oui, ah oui. Ah oui, la réglisse noire. Ouais, ouais. C'est très réussi. Oui. Je me demande si on n'aurait pas ce soir à l'extérieur, parce que la musique, je pense que... Ouais. Que là, il se fout dehors. Il y a quoi? Ouais, allez, on essaye. On déménage à l'extérieur parce qu'on se dit que dans le podcast, cette musique, ça va être un petit peu envahissant. Et donc là, on sort et on s'assoit sur des bancs, à une table. Voilà. Ah oui, la musique, c'est mieux là. Au niveau du montage. Ouais. La table est chaude en revanche. Ouais. Là, c'est magnifique, hein, cette bière. Hazy IPA. Oui, dans toute sa splendeur. Ouais. Je suis pratiquement sûr qu'ils utilisent de l'avoine. Absolument. Avoine 100%. Mm. Oh, qu'est-ce que c'est bon. C'est frais, c'est... C'est une fois de plus bien maîtrisé. Et t'as raison, il y a un côté réglissé qui amène une autre dimension, je trouve. Mm. C'est pas juste du fruit. Super bière. Ah, c'est vraiment réussi. Et quand on vient chez eux, il vaut mieux essayer ce type de bière, c'est-à-dire New England IPAs, Hazy IPAs, oui. plutôt que laisser une lager par exemple. Je sais qu'ils font une lager, mais bon, c'est pas l'endroit. Ils sont très forts pour les stouts aussi, ils font des bonnes ouais. stouts. Mais là, vraiment, là où ils excellent, c'est ça. Ouais. C'est ce qu'on est en train de boire. Et elle vient juste de sortir il y a quelques jours. Mm-hmm. Donc on a un peu la primeur et il y a des packs à emporter. Je crois que je vais m'en emporter. Moi aussi, ouais. C'est bon, hein. La canette est assez étrange, il faut bien le dire. C'est un damier noir et blanc. Ouais. Et on voit un 8, mais genre, ça fait un peu subliminal presque. Voilà. C'est bien précisé, Hazy IPA, donc ouais. Voilà, c'est ce qu'on boit. Je crois que c'est pour leur 8e anniversaire, j'ai envie de dire. Ah bon? Ouais, je crois. Eh oui, ça c'est les voitures. Et donc là, on est lundi et il n'y a quasiment personne. Ouais. Il n'y a quasiment personne parce que, bon, nous pour nous c'est férié, mais pas pour tout le monde. Mm-hmm. Et bon, c'est un lundi normal. Voilà, puis les gens courent les magasins souvent parce qu'il y a des réductions de prix. C'est Memorial Day. Ouais. Et je crois qu'il y a eu. Je crois qu'ils viennent de fêter leurs 8 ans. Bah, c'était hier et avant-hier, je crois. Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu le lendemain de fête et c'est tranquille. Ce qui n'est pas pour nous déplaire. Ouais. Un côté digestif aussi, parce que comme il fait 8 degrés, oui. Voilà. Mais bon, c'est peut-être un peu ce dont on a besoin. Oui. Après avoir beaucoup mangé. Oh oui, dis donc, c'est rempli la panse. Ouais. Au passage, conseil de voyage, La Carrera, restaurant mexicain, vraiment, c'est à retenir. Et si vous passez par la région, il y en a partout en Louisiane. Hein. Mm-hmm. Il y en a à Houma, il y en a un à Ponchatoula qui est juste à côté. Enfin bref, c'était là que c'est une chaîne. Et c'est vraiment très très bon. Hein. Le service est nickel, l'endroit est magnifique, c'est vraiment à recommander. Les bières, on aurait pu avoir la Juicy Fur, la pression, mais c'est vrai. C'était un petit peu idiot. Oui. Avoir, étant donné qu'on s'est arrêté avant de venir ici chez Nerly Barley qui fait la Juicy Fur, oui, ça aurait été un petit peu idiot. Ouais. Ouais, moi, je peux voir Ronisé, c'est le 18, c'est solide. Ouais, je suis d'accord, 18. Ah ouais, c'est extraordinaire. L'aspect est remarquable, c'est vraiment un jus de fruits. Le nez agrumé
Et en bouche, il y a ce côté un petit peu donc réglissé qui change un peu, ouais. Qui apporte une dimension un peu différente. Ouais. C'est pas juste du jus de fruits. Parce que vraiment, côté jus de fruits, ouais. Vraiment très prononcé. Hein. Jus d'ananas, jus de papaye. Ouais. C'est extraordinaire. Mmh. Et il y a cette petite amertume. Je crois que le côté réglissé, ça vient de l'amertume. Mmh. J'ai l'impression. Et ça donne un petit peu un petit équilibre quand même, pour pas que ce soit juste du fruité. Ouais. Ouais, c'est vraiment réussi. Alors, il va falloir se rappeler du nom, parce que j'ai déjà oublié. Ouais. C'est 8, quelque chose 8. Ouais. Bon, il y a 8 dedans. Ouf, on est en train de prendre le soleil. Ouais. Je sais pas si on va rester longtemps au soleil, monsieur. Non. Eh bien, on va finir cette dégustation et on vous retrouve dans quelques minutes. Eh bien, Stéphane, nous sommes de retour dans les studios parce qu'on avait au début projeté de faire un épisode entier en vadrouille. Et puis bon, on s'est laissé un petit peu aller et puis l'enregistreur est resté un petit peu dans la poche. Mm-hmm. Donc, on a bu une bière au micro et puis on s'est dit qu'on allait finir l'épisode dans le studio le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, avec une bière qu'on a achetée chez Red, White and Brew, dont on vous parlera tout à l'heure. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as pensé de cette petite visite dans la brasserie hier, Stéphane? Moi, c'était toujours très sympathique, bien évidemment. Il y avait très peu de monde au début. Oui. Puis après, bon, ils sont arrivés. Vers les 3-4 heures. Ouais, parce qu'ils savaient qu'on était là, c'est pour ça. Bah oui. C'est-à-dire, j'imagine que le mot a dû se passer sur les réseaux. C'est évident. Binous est là, donc voilà. Non, c'est une brasserie qui ne paie pas de mine, mais quand tu sais que tu trouves toute leur bière, tu trouves leur bière dans tous les supermarchés de Louisiane. Et beaucoup de restos. Oui, beaucoup de restos, c'est et vrai. Et beaucoup de bars à la pression et tout. C'est assez impressionnant. Ouais. Oui, parce qu'on se disait, on regardait leur installation, on se disait, bon, c'est pas immense comme installation. Non. Mais il faut se rendre compte, comme tu dis, que leur bière se trouve partout. Vraiment, ils ont pignon sur rue. C'est une des grandes brasseries de Louisiane qu'on trouve partout. Oui, et c'est tant mieux. Oui, et c'est vraiment, la bière est de très, très bonne qualité. Spécialement, vous l'avez entendu, la Hazy 8 qu'on a dégusté en direct avec ce... Bon, le son, j'ai l'impression, on a réécouté il y a quelques minutes le son. Et bon, voilà, vous allez nous pardonner ça. Mais on s'est vraiment régalé. On a posté une photo de cette Hazy 8 sur les réseaux. Ça a l'air de vous plaire. Et puis, ce qu'on va faire, Stéphane, on va refaire une petite intro. Voilà, parce que là, c'était une espèce de petit encart, un petit peu on the road again. On the road. Est-ce que tu as quelque chose en intro aujourd'hui? Non, mais je dirais ce type de brasserie est né avec la New England IPA. Nous avons énormément de brasseries qui sont nées autour de cette bière-là, en définitive. C'est quand même leur porte-drapeau, oui. Ces bières-là, leur style, c'est vraiment, oui. on peut boire des stouts, on peut boire... Les porteurs aussi, quand même. Les porteurs, des choses comme ça, c'est vrai. Mais beaucoup de brasseries qui ont maintenant 8 ans, parce qu'ils ont 8 ans d'âge, eux, qui ont entre 8 et 10 ans, c'est autour du phénomène de la New England IPA, qu'elles se sont créées. Ouais. C'est pas des brasseries autour de lager, autour de stout, autour... Non, c'est vraiment... Et puis que ça a décollé, c'est autour de ça. Et leur porte-drapeau qu'on trouve partout, c'est bien évidemment un Juicifer dont on vous parle le temps. Et c'est absolument une Hazy IPA. Mm-hmm. 6 degrés quelques, je crois. Mm-hmm. Alors moi, j'ai autre chose. Rapidement, j'ai lu un article, je l'ai vu passer ça sur Twitter, je l'ai lu. C'est un article qui nous explique ce que toi et moi vociférons depuis 4 ans dans le podcast. C'est que en Belgique, les brasseries commencent à se mettre petit à petit à la canette. Et bien sûr. Ça fait 4 ans qu'on en parle. Mm-hmm. 4 ans qu'on dit qu'aux États-Unis, ça n'embête personne de boire une bière de haute voltige, de haute qualité, de grande qualité dans une canette. Bien sûr. Et j'ai l'impression que l'Europe commence à s'y mettre. En tout cas, cet article paraît de la Belgique. Et c'est vrai parce qu'on a bu une bière l'autre jour. Là. C'est la Lupulus, je crois. C'était une New England IPA belge. Mm-hmm. Elle était en canette. Oui, bien sûr. Canette Soliflore, tu te souviens? Oui, bien sûr. Mais il y a l'Australie qui fait ça également, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre. Mais alors, les pays anglophones, ça ne pose pas de problème. Les pays scandinaves également. Voilà. C'est les pays francophones qui traînaient la patte. Pardon. Voilà.
Et donc, bah, ça commence à arriver. Et alors que l'article expliquait bien évidemment tout ce dont on parle depuis 4 ans dans le podcast, c'est-à-dire le fait que c'est un contenant très, très, comment dirais-je, qui protège la bière de tout, des UV, de l'oxygène, etc., etc. Voilà, on va pas refaire de très trucs. Facilement recyclable. Voilà, etc. Très, très... léger, facile à stocker. À stocker, à transporter. Voilà, etc., etc. Bon, voilà. Donc, tout ce dont on vous parle depuis 4 ans, ça y est quand même. Chez vous, parce que on sait que la plupart de nos auditeurs sont en France et en Belgique et en Suisse. Donc, apparemment, eh bien, les gens commencent à se mettre un petit peu au diapason des États-Unis. C'est un petit peu normal. C'est comme toutes les modes. Bon, d'un côté et de l'autre, nous, on reçoit les modes françaises un peu après. C'est comme ça que ça se passe, mode vestimentaire. Et donc, dans ce sens-là, ça fait un moment aux États-Unis que c'est monnaie courante, et donc ça arrive chez vous aussi si vous écoutez de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, c'était un petit peu le l'article que je voulais partager avec toi. Oh, je voulais partager avec moi. Oui, je vais pas te partager un article. ça risque de te faire mal, Stéphane. Oui, effectivement. Ouais. Est-ce que tu as autre chose ou est-ce qu'on passe à la bière de la semaine? Je n'ai plus rien à dire. Bon, rien à dire. Eh bien, écoutez, on va écouter un sonal louisianais dont on a le secret. Et on va découvrir et déguster la bière de la semaine qu'on a achetée en Louisiane, qu'on a achetée à Hammond yesterday. Mm-hmm. Yesterday. 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 Oui, justement, je pense à ça. My beer was so far away. Je pense à ça. On est bilingue, on s'excuse. Oui, oui. Sonal. Alors, qu'est-ce que c'était que ce sonal? C'est pas notre sonal de d'habitude, ça, Stéphane? Mais non, car aujourd'hui, nous allons parler d'une brasserie mythique. Oui. Nous ne l'avions jamais fait jusqu'à présent. Non. Nous allons parler de la brasserie... Stone Brewing Company, créée par Greg Koch, si tu parles en anglaise, ou Koch, si tu parles en allemande. Ça s'écrit comment? K-O-C-H. Donc... Ah oui, si, ça se prononce Koch. Ah, d'accord, excusez-moi. Oui. Ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas un gros mot. Ça se prononce Koch, oui, parce qu'il y a un guitariste, Greg Koch. Oui, d'accord. Ouais, donc d'accord. Je l'entends dire son nom tout le temps. Et Steve Wagner, si je le prononce en allemand, ou Steve Wagner, si je le prononce en allemand. Bon, c'était deux potes qui, ils jouaient de la musique ensemble. Et puis, au lieu de faire un podcast, ils ont décidé de faire une bière. Voilà, c'est comme ça. C'était en 1996 à San Marcos, Californie. Alors, San Marcos, c'est au nord de San Diego, un petit peu à l'intérieur des terres. D'accord. Voilà. Ils ont décidé de faire des bières en commun. Et puis, ils ont sorti celle que nous allons boire, qui est vraiment... leur bière porte-drapeau, qui est vraiment très représentative du style West Coast IPA, qui est vraiment l'incarnation même de ce style-là. Et la première mise en vente, ça a été en août 1997, et puis ils ont été très rapidement débordés par le succès. Alors, on se rappelle en Louisiane que cette bière était partout il y a 10 ans. Oui. Partout, et que maintenant elle est... Nulle part. Nulle part. On l'a trouvé, justement, c'est pour ça qu'on l'a acheté hier, parce qu'on l'a vu et on s'est dit « Ah !» C'est très rare maintenant. Ouais. Je me souviens une période, ça ne va rien vous dire, chers auditeurs, auditrices, mais Stéphane, ça veut dire quelque chose. Au Rouse, à Thibaudeau, le grand Rouse, à un moment, on en trouvait. Ah oui, il y a quelques années, il y a peut-être 3-4 ans. Maintenant, on n'en trouve plus. On n'en trouve plus, et alors, en plus en canette, parce que lorsqu'on l'a trouvé, c'était toujours en bouteille, cette bière-là. C'est vrai. Donc, c'était une bière qui, créée en 1997, et 10 ans après, avait un succès, mais... mondial. Mais à chaque fois qu'on parle de la West Coast IPA, c'est ta référence. Oui. Ouais. À chaque fois, tu dis Stone, celle de Stone. Voilà. C'est la référence parce que, évidemment, les Torpedoes, tout ça, c'est... Sierra Nevada, tout simplement, oui. C'est vraiment, ce sont les pionniers. Mais là, celle-là est vraiment la caricature même du style. Oui. Si vous avez l'occasion de la goûter, vous saurez ce qu'est une West Coast. On vous aura prévenu. Alors, 6 degrés 9 d'alcool, quand même. Ah, quand même. Ben, oui. 197 calories. Oui. Quand même. Quand même. IBU, c'est-à-dire indice d'amertume, 77. Ça me paraît un peu bas, ça. Oui, parce que... Tu trouves pas que c'est bas, ça? Oui, voilà. C'est un peu amer, quoi.
Et on n'a jamais parlé de leur logo. Il faut dire que je ne savais pas ce que c'était leur logo. Leur logo, c'est une gargouille. Ah oui, d'accord. Pour montrer un petit peu le lien avec l'Europe. Donc, c'est une gargouille, tout simplement. Je ne savais pas. Moi, je voyais un masque. Voilà. Et donc, attention, sur Beer Advocate 93, outstanding. Ah, quand même. Ouais. Mais il y a des commentaires plus récents qui le sont moins, outstanding. Parce que, bon, on ne va pas se mentir, on sait ce qu'on va boire. On l'a fait vraiment pour l'émission, pour donner une idée, pour vous éclairer sur le style West Coast IPA. Comme on l'a dit plusieurs fois auparavant, c'est un style qui, maintenant, un peu obsolescent, devient presque une bière de niche. Ah, hein. Ben oui, on en trouve. Quasiment plus, c'est justement pour ça, c'est ce que je disais il y a deux minutes, c'est pour ça qu'on a sauté dessus hier, parce qu'on en trouve très 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 rarement. Voilà, c'est une bière qui a un style, qui est, le style lui-même est devenu daté, oui. Et cette bière, donc, qui était le fer de lance du style, ben, on a de plus en plus de mal à en trouver, donc bon là, j'ai dit bon, il faut qu'on la fasse. Et ça sera fait. Oui, c'est ce que disait Kevin il y a deux semaines, ou il y a trois, oui, il y a 15 jours. Il nous disait que chez eux, au Québec, ils en trouvent quasiment pas des West Coast. Et lui, il aime beaucoup ça, et c'est quelque chose qu'il regrette. Voilà. Alors, je voudrais passer un petit bonjour, un petit coucou à Nora Lopez, qui nous a envoyé un email, un très gentil email, avec une photo de sa Stone. Alors, la sienne, c'était la Fear Movie Lion. C'était une double IPA. Et donc, il avait demandé, il avait posé la question, nous avait posé la question, est-ce que vous pouvez trouver ça chez vous? Alors là, absolument pas. Absolument pas. Ça, non, on la trouve pas. Mais on a trouvé celle-ci, celle qu'on va déguster aujourd'hui. Et donc, voilà, Nora Lopez, petit clin d'œil, on te répond par retour de la bière. Oui, car ils sont plus connus pour faire des West Coast IPAs. Que pour faire des New England IPAs. Voilà, largement. Voilà. Bon, ils s'y sont mis, bien sûr, comme tout le monde. Oui, voilà. Et j'ai pas goûté, mais bon, je suis sûr que ça doit pas être mauvais. Ça serait intéressant de goûter, de voir la façon dont ils ont pu se renouveler. Pourquoi pas. Mais bon, la bière que nous allons boire était leur bière la plus vendue, la plus iconique aussi. Parce qu'ils faisaient même un stout à un moment donné qui était tout à fait intéressant. Ah bon. Il y a Arrogant Bastard, c'était eux aussi. Oui, bien sûr, oui. Celle-là, on la voyait partout. Celle-là, on la voyait partout. C'est celle qu'on va boire, mais encore plus musclée. Donc là, après, c'est... Non, merci. Voilà, après, ça devient un peu particulier. J'appelle ce genre de bière, c'est la bière de l'époque de la Prohibition. Prohibition de la fumette, je parle. Ah oui, pardon. Parce que C'était avant que la consommation de fumette de façon récréative soit autorisée. Dans beaucoup d'États, pas tous. Dans beaucoup d'États, non, pas en Louisiane, par exemple. Non. Et je trouve qu'il y avait vraiment cette recherche, ce qu'on appelle le dank, c'est-à-dire la résine de cannabis, quoi, tu vois, ce côté. Et peut-être le succès était lié à ça, tu vois. Peut-être. Il y a une espèce de truc, alors que maintenant que le produit est en vente libre, la bière, les gens préfèrent partir sur des produits comme la New England, on en parle très souvent. Ouais. Les lagers qui sont revisités également. Quelque chose qui m'a bien surpris, c'est les gauzeux, les styles comme ça. Il y a pas mal de gens au bar où nous étions qui en buvaient. Ah oui, on a vu beaucoup de gauzeux, ouais. Ouais, c'est assez, je pense, parce qu'il y a le degré alcoolique qui est assez faible. Ouais. Souvent, il faisait chaud aussi. Il est très chaud. Souvent, ils te servent ces bières dans des verres plus petits aussi. Donc, j'ai vu pas mal de gens consommer cette bière-là. Malheureusement, j'aime pas ça. J'aimerais bien aimer. Moi, j'aime bien, mais quand ils ont d'autres bières dans leur catalogue, je préfère les autres bières. Ouais, directement. On y va ? Oui. Très bien, tu nous as bien fait l'article. Voilà. Bravo. Alors, bon, voyons voir. Bravo. C'est vrai que c'est la première fois que j'avais en calette, moi. Oui, moi aussi. Je jette mes notes. Vas-y, de dépit. Voilà. Stone IPA. Là, c'est quand tu vois la canette. Enfin, la canette, c'est méchant. Hein. Ah oui. Tu as du vert, là. Tu as du noir et du vert. Le vert qui rappelle, évidemment, le houblon. Parce que là, ça va être une soupe houblon. Ça va être... Ça aussi, je trouve que c'est une iconographie qui a mal vieilli. Oui. Maintenant, c'est beaucoup plus... comment dirais-je ? Des canettes avec, je ne sais pas moi, des choses un petit peu plus éthérées, un petit peu plus... je sais pas, je trouve que je trouve ça très caricatural. Oui, mais la gargouille. Ça fait un peu, pardonnez-moi pour ceux qui aiment ce genre de musique, mais ça fait un peu cliché métal. Mais je pense qu'ils évoluent dans ce domaine-là. Hein. Et je trouve que ça mal vieillit. Je crois que Metallica fait une collaboration avec Pilsner, je crois. Oui. Donc, ça serait assez logique. C'est assez codifié. C'est ça. Alors, je trouve que maintenant, il y a des choses un peu plus de passe-partout. Voilà.
C'est un peu plus ludique. Mais là, tu sais que tu en as pour ton argent. Ah, oui. On y va. Ouais. Donc, c'est en canette, bien sûr, on l'a en dit. En canette, oui. Allez-y, monsieur. OK. Alors, qui va en premier? Je vous laisse en premier. Allez. C'est une bombe, déjà. On est... Elle est moussue. Ah oui, là, c'est 4 doigts de mousse. Bon, c'est parce que je l'ai agité aussi, hein, ouais. pour le son. Agité du bocal. Ça va être intéressant pour voir aussi, parce que souvent on parle que notre palais a évolué. Eh bien, on va voir jusqu'où. Oui, c'est vrai. Ça va être un test perso, là. Oui, parce que ben, c'est un petit peu ce qu'on avait fait quand on avait revisité la Torpedo, si tu te souviens. Mm-hmm, oui. Parce que, bon, dans notre souvenir, c'était une soupe au houblon. Et en fait, on a trouvé que, bah, pas tant que ça. Mm-hmm. Alors, vas-y. Ah ben voilà du balai et ses bières, monsieur Stéphane. Mmh. Bon, elle est moussue encore, la tienne aussi. Hein. Ça sent de loin. Oui, et puis alors, au visuel, c'est tout à fait dans le style. Hein. Complètement. Pâte de coin. Pâte de coin. Ah, pardon, pâte de coin. Mmh, il avait raison. Oui, oui, il a raison, Kevin. Avec une 2,5 doigts de mousse, 3 doigts presque de mousse. Une mousse très généreuse. Oui, laiteuse. Mmh. Oh, c'est un joli produit, hein, ça se voit. C'est un très joli produit. Au nez, je suis agréablement surpris. Je m'attendais à quelque chose de plus violent. Oui, c'est vrai. Un nez très maltais. Oui, dis donc. On ne sent pas le pain PIN pour l'instant. Non. Mais plutôt le pain PAIN. Mais il y a une petite résine derrière quand même. Mmh. Il y a de l'alcool et de la résine. Oui, la résine arrive derrière. Ouais. Ouais. Mais ce qui veut dire qu'elle sera certainement bien équilibrée. Ouais. Ça me rassure sur la capacité à boire ce type de bière. Oui, parce qu'il faut vous dire que hier, j'ai pris une West Coast IPA de chez Gnarly Barley. Je n'ai pas pu la finir. Non, tu ne l'as pas finie. Il faisait très chaud. Ouais. Et c'était vraiment de la résine de pain. Ouais. C'était très agressif, j'ai trouvé, dans comme le style. Comme on avait bien mangé avant aussi. Ouais, voilà. Ça n'a pas aidé. C'est un petit peu le problème avec la bière que nous allons boire, c'est qu'elle est très calorifique et tu le sens. Ça plombe un peu. Ça plombe. Ben, c'est ce qu'on disait sur la Lagunitas IPA l'autre jour. Oui, oui, c'est vrai. C'est ça plombe. Ouais. Bon, le nez est très intéressant, la couleur mais caractéristique. Orangé. Ouais, orangé, avec une très très belle mousse. Non, on voit tout de suite que c'est un beau produit quand même. Le pain PIN arrive après. Dans un premier temps, j'ai eu un goût vraiment de malt et de pain, PAIN. Et puis là, on sent monter le... Tu sais qu'on voit quand même que c'est un beau produit. Ouais. C'est-à-dire, je parlais de ça avec un copain qui n'est pas du tout zitophile. Mm-hmm. Lui, il boit genre un Bud Light, des trucs comme ça. Et je lui dis, je sais plus ce que c'était sur une bière. Je dis, ouais, ça se voit tout de suite quand tu la regardes avant de la goûter, que c'est une bonne bière. Et regarde, Amy, comment tu vois ça, toi? Et je lui ai fait la comparaison. Je lui ai dit, écoute, c'est comme un, et j'ai pris un plat local, c'est comme un gombo ou un jambalaya. Tu peux regarder quand tu connais le plat. Et quand tu regardes un jambalaya, tu peux avoir une bonne idée déjà de s'il est bon ou pas, juste en le regardant. Un gombo, c'est pareil. Et il me dit, ah ouais, il me dit, c'est vrai, d'accord, je comprends. Et ça, c'est vrai, si tu regardes... Tu as été très pédagogique. Mais voilà. Tu regardes la mousse, tu regardes la couleur, c'est un beau produit. Osons-nous plonger. Eh ben, on y va. Je trouve que ce sont des retrouvailles sympathiques. Oui. C'est pas aussi caricatural que dans mon souvenir. C'est très amer en fond de bouche, évidemment. Oui. Mais pas non plus excessivement. Non. Je trouve que ce sont des retrouvailles très sympathiques. Je voyage dans le temps, là, bizarrement. Je voyage 10 ans... Ah, au moins, oui. Ouais, à peu près, oui. Ça, c'est plutôt sympathique, là, parce que je me sens plus jeune, du coup. Je n'ai rien bu avant, évidemment, parce que, bon, connaissant cette bière-là,
Ouais, je voyage dans le temps, ce qui est très agréable. Moi, ça me fait penser à une version améliorée de la Lagunitas IPA. Oh oui, complètement, oui. Hein? C'est oui. le même style, mais en mieux. En mieux, ah. beaucoup mieux. Si vous aimez le style, c'est beaucoup mieux. C'est les mêmes bases, mais c'est mieux. Mm-hmm. C'est plus fin. Ouais. C'est même plus léger. C'est pas une bière légère, mais c'est plus léger que la Lagunitas. C'est, y a ce goût, cette amertume qui est nécessaire. Sinon, ça serait vraiment mielleux. Sirupeux, ouais. Sirupeux. Parce qu'il y a quand même beaucoup de pain payenne et beaucoup de malt. Il n'y a pas de traces de fruits rouges, de choses comme ça, tu vois. Non, mais c'est simplement une... Je comprends qu'elle ait été populaire, quand même, cette bière. Parce que c'est à la fois... C'est simple. Oui. Vois, c'est simple, mais c'est bien exécuté. Voilà, c'est simple, efficace, et bien exécuté. C'est-à-dire que quand on a dans l'idée le style, ça, c'est vraiment pile dedans et ouais. c'est de très bonne qualité. Oui. Je me demande si Kevin a pu mettre la main un jour là-dessus. Là, il a, si lui qui aime les West Coast IPA, comme il nous a dit, celle-là, ça serait pile dedans. C'est pas loin d'être la perfection dans le genre. Oui. Mmh. Oui. Oui, oui, je m'attendais à des retrouvailles beaucoup plus difficiles. Mais non, pas du tout. Bon, il est certain que nos palais ont évolué, ça, bien sûr, là on le voit. Je ne conseillerais pas cette bière à quelqu'un qui débute dans la zytophilie. Oh non. Parce que là, on a vraiment, c'est ça pourrait presque même dégoûter. Mais lorsqu'on est habitué à boire de la bière, bon, comme nous, c'est une réussite. Oui. C'est une réussite. Ça me fait un peu le... Bah, je trouve que c'est la cousine de la Torpedo, quoi. Ouais, mais je préfère celle-là. Ah, moi aussi. Parce que la Torpedo est plus mielleuse. Oui, celle-là passe mieux, je trouve. Ouais, celle-là, justement, son côté un petit peu vert derrière, ouais. qui équilibre bien. Et surtout, il y a eu à l'époque des imitations, mais foireuses. New Belgium avait fait un truc qui était d'une amertume. J'avais jeté le six-pack. Tu vois, j'avais essayé de boire une bouteille, parce qu'en l'occurrence, c'était une bouteille. J'avais pas pu, puis après j'avais laissé ça dans le frigo peut-être 3 semaines, je me suis dit moi. Mm-hmm. Puis quand j'avais rouvert. Ça s'appelait comment? Oh, je sais plus, il y avait dessus, il y avait un houblon caricatural. Ah ouais. C'était pas un moine avec. Non, c'était vraiment, tu voyais, du houblon bien sauvage, là, tu D'accord. vois, dessiné. Mm-hmm. Bon, ils l'ont arrêté d'ailleurs, cette bière-là. Et là, bon, le six-pack, malheureusement, est parti aux toilettes parce que c'était absolument pas possible. Il n'y avait que l'amertume. Mmh. Une amertume en plus médiocre, presque industrielle, enfin tu vois, quelque chose qui était vraiment... Là, je la trouve très très agréable, et oui. je suis surpris, je ne m'attendais pas, parce que hier, bon, Patrice, tu disais, ouais, ben, on sait déjà ce qu'il y a dedans, bon, j'ai dit, ouais, mais il faut qu'on la fasse, parce que déjà, on ne la trouve plus, et parce qu'elle est tellement iconique, donc c'était un petit peu, toi c'était un peu à reculons... Mmh. Moi, je sautais pas forcément de joie parce que c'est pas mon style préféré, c'est un peu. Mais je voulais voir un petit peu où j'en étais également. Bon, on sait qu'elles sont fraîches, relativement fraîches. Même si pour les West Coast, c'est beaucoup moins important que pour les New England IPAs. Quoi. Ça, oh, ça, oui. Voilà, c'est beaucoup moins important à cause de cette base maltée qui permet de les conserver plus longtemps. Mais elles étaient bien exposées. Justement, il fait frais dans ce. Oh, oui. Dans ce même trop frais. Un peu trop même, oui. Dans ce petit magasin qui fait également bar. D'ailleurs, le gars m'a posé une question qui m'a désarçonné. Il me fait c'est emporté ou à consommer? Moi, j'ai emporté, parce que en plus, ils ont des bières à la pression, oui. tu vois. Mais effectivement, tu peux acheter. Et boire et consommer. Et consommer sur place. Parce qu'il y a un joli bar. Ouais, un joli bar. Il y a toujours du monde dans ce truc, à cet endroit. Donc, bon, j'ai l'impression que ça fait aussi un peu bar de quartier, très étrangement, parce qu'il y a des entreprises un peu autour, là, tu vois. Et on voit qu'il y a des habitués. Voilà, des habitués, oui. C'est très, très impressionnant. Ça fait pas bar à touristes. Bon, nous sommes des touristes. Mais tu sens qu'il y a des gens qui bossent dans le quartier. Là, il y avait un gars qui était avec son ordinateur, qui faisait, bon, faisait ce qu'il voulait, quoi. Mais tu sentais que le gars était un peu un habitué. Ouais, ça fait bar de quartier, comme tu dis. Ça fait bar de quartier, c'est très intéressant. Et moi, je suis agréablement surpris parce que, oui, comme tu l'as dit il y a une minute, j'y suis allé un peu à reculons. Je me suis dit, j'ai vu, si tu veux, avant la dégustation, j'ai vu la dégustation, c'est-à-dire qu'on allait dire, c'est une bière qui a mal vieilli, c'est un style qui est obsolète, et blablabla. Bon, oui, certes, mais
là, on est vraiment agréablement surpris. En plus, il y a des goûts. Là, j'ai senti un goût citronné, tu vois. Un peu mandarine également. Bon, là, on retrouve des goûts aussi d'agrumes, mais qui sont bien sûr très fugitifs, hein, qui sont un deuxième. Ce qui fait plaisir, c'est qu'elles n'ont pas pris la poussière, ces bières-là. Et peut-être aussi les conserver comme ça en canette, on a vraiment accès au meilleur, quoi. Peut-être, oui. Et comme tu dis, elles sont très fraîches. Elles sont très fraîches. Ce qui fait qu'on n'a pas perdu ce lointain goût un peu de mandarine, d'agrumes, hein, tout simplement d'agrumes. Oui, elles ont été mises en canette le 21 avril. Oh, ben voilà. Ben voilà, on a beaucoup de chance. Ah oui ? On a vraiment beaucoup de chance. Mais donc là, à l'heure où on enregistre, on est 31 mai, donc ouais. Elles ont un mois, quoi. On a beaucoup de chance. Ouais. Waouh, c'est extraordinaire. Elles ont 5 semaines. Oui, parce que souvent, celles qu'on avait en bouteille, elles avaient des fois un an ou deux ans, il y en a même. Hein. Ben, je crois que c'est ce qui est arrivé avec la Lagunitas l'autre jour. Mm-hmm. Elle était trop vieille, elle avait perdu justement ce côté agrume. Oui, parce que là. Boulonné, ouais. Parce qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a le côté agrume, évidemment, le côté maltais, qui fait ce côté mielleux. Et puis, il y a un côté houblonné. Mais je me rappelais de quelque chose qui était beaucoup plus agressif. Moi aussi. Et ça ne l'est pas. Non. Non, c'est bien fait. Et le nez, par contre, me transporte effectivement plus de 10 ans en arrière. C'est vraiment au niveau du nez. Mmh. On ne retrouve plus ce type de nez dans les bières actuelles. Ah non. C'est un peu triste, d'ailleurs. Ouais. Parce que c'est, je veux dire, très très lointainement une odeur de cuir, mais très très lointainement. Enfin, quelque chose un peu de cet ordre-là. Mmh, oui. Que tu retrouves, mais attends, mais que tu retrouves dans les English Pale Ale. Ouais. Là, je viens de sentir. En fait, non, je viens de sentir la mandarine, mais tu sais, comment on appelle ça ? Voilà, la confiture de mandarine. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire, oui. Que là, je viens de le sentir. La marmelade. La marmelade, merci. C'est pas le cuir que je sens, c'est ça. C'est ce nez de marmelade. Parce que le cuir, c'est un peu plus prononcé. Ce nez de marmelade que l'on trouve dans toutes les English Pale Ales que j'adore. Mmh. Et là, on vient de sentir la filiation, véritablement. Elle est boostée, on le sait. Bien sûr. Elle est montée sur stéroïdes par rapport à là. Mais là, tu sens la filiation. Pourquoi tu la sens ? Parce qu'elles sont fraîches. On avait bu d'ailleurs une English Pale Ale. On avait bu une English Pale Ale et c'est vrai qu'il y a on avait dit à l'époque qu'il y avait vraiment une filiation avec la Sierra Nevada Pale Ale, tu te souviens ? Ouais, et en fait, ça me fait voyager dans le temps, mais ça me fait aussi voyager dans les goûts que j'aime parce que ce nez-là, tu le retrouves sur les English Pale Ale. Tu vois, tu retrouves ce donc c'est pour ça aussi que ça me fait voyager dans le temps également, dans le style de bière que j'ai pas bu depuis longtemps et qui ont ce nez de marmelade. Bien sûr, parce que toutes ces bières sont inspirées d'English Pale Ale, bien sûr. Voilà, donc c'est le zeste d'orange, marmelade. Bon, au début, je sentais comme un truc de mandarine. Non, c'est l'orange, enfin, c'est la marmelade, véritablement. On avait parlé de ça. Oh, ça fait plaisir. On avait parlé de ça, on avait fait, je ne me souviens plus, c'était pas la Old Speckled Hen. Oui, bien sûr. Voilà, hein, oui. On avait trouvé la filiation avec la Sierra Nevada Pale Ale. Mm-hmm. Eh oui, mais là, c'est évident. C'est évident parce qu'elle est fraîche. Alors, pour les gens qui seraient enclins à vouloir déguster ce style de bière, nous conseillons d'abord peut-être les English Pale Ale. Oui. Les bonnes, mais je sais que ce n'est pas facile à trouver en France. Mais c'est pour le savoir. Mais enfin, si vous en trouvez, tant mieux. Si vous vivez en Angleterre, ça sera plus facile. Et après, tu as une espèce de progression de logique. Ah ouais, vraiment, je sens ça de plus en plus, le cousinage. Ça me fait plaisir, parce qu'elle s'ouvre en même temps. Oui. Elle évolue un peu. Ouais. Mais écoute, c'est une très bonne redécouverte. Oui. Dans les meilleures conditions possibles, avec ces bières fraîches, jeunes. En canette. En canette. Dans un bar et un magasin, ils font très attention à la qualité. Oui. Bon, non, on peut vraiment conseiller ce magasin. Oui, oui. Red, White and Brew à Hammond. Voilà, j'ai pas osé regarder les autres alcools qu'ils avaient. Dans les vins, ça m'avait l'air beaucoup moins spectaculaire, mais c'est souvent le cas. Ils ont des gins, ils ont des whiskies, etc. Ouais. Vodka. Ouais, j'ai pas regardé parce que bon, tu rentres dans ce type de magasin, tu n'as pas. Mais pour les vins, j'ai vu repérer de très loin des vins français. Je me suis dit, bon, en même temps, c'est une toute petite surface. Hein. Oui, oui. Ah, c'est pas grand du tout. Hein. Non. Mais ils ont quand même un concentré, ils ont beaucoup de bières intéressantes, j'ai trouvé. Mmh. Moi, je me suis acheté de la Saint-Bernardus, bien sûr. Mon délice. L'amertume, évidemment, on s'y habitue progressivement. Oui.
Non, c'est normal que cette bière ait du succès. Elle est bien meilleure que la Torpedo. Oui. Je la trouve aussi plus complexe que la Sierra Nevada. Mmh. La Torpedo, tu veux dire, oui. Non, mais la Sierra Nevada, Pelel, oui. Je la trouve... Ben, c'est-à-dire qu'elle a plus haut degré d'alcool, donc... Je la trouve meilleure que la Sierra Nevada Pale Ale. Beaucoup moins sirupeuse et bourrage de coin que la Torpedo. Non, on comprend pourquoi elle est aussi référencée. C'est leur porte-drapeau. Il y a un documentaire que j'avais regardé il y a 2-3 ans sur, justement, je ne me rappelle plus de son prénom, mais Monsieur Koch, le documentaire, c'est sur son espèce de projet fou d'ouvrir une brasserie et une taproom, un beer garden en Allemagne. Et c'est un petit peu un projet fou parce que d'aller faire de la bière en Allemagne et dire aux Allemands, ben voilà, ben, votre Rheinerzgebot, c'est très joli, mais moi, je fais autre chose. Boum, je vais vous montrer ce que c'est que la bière, je suis américain. C'est un pari un petit peu fou. Et je ne vous divulgage pas la fin du documentaire. C'est assez intéressant. Et on voit l'évolution. Il arrive, eh bien, sur le site sur lequel il a décidé de bâtir la brasserie. Il n'y a rien, c'est vraiment un énorme hangar, enfin c'est en périphérie de je ne sais plus quelle ville. Et on voit en fait la construction de A à Z de cette brasserie qui maintenant, je ne vais pas divulguer chez la fin, mais je ne dis que ça. Mais c'est un documentaire très intéressant. Si on aime, si vous écoutez cette émission... je pense que ce documentaire vous plaira. Je ne me souviens plus du titre, là je ne l'ai pas noté, mais ça doit être facile à trouver. À l'époque, c'était sur Amazon. Voilà. Je conseillerais également cette bière, on l'a déjà fait, mais ce style de bière, tu vois, vraiment avec des côtelettes de porc, tu vois, des trucs comme ça. Ou alors également un hamburger assez juteux, ça s'accompagne merveilleusement bien les viandes, ce truc-là. Oui. Très bien, on va voir Onise. 18. Oui. Classique. Oui, je suis d'accord. 18, tout simplement. Un classique, ça me fait vraiment plaisir parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus caricatural. C'est daté, mais peut-être aller, quand on veut boire ce genre de bière, peut-être aller à l'essentiel. C'est celle-là. C'est ça l'essentiel. Ouais. Voilà. Ça, c'est l'essentiel. Si on veut connaître le style, c'est celle-là qu'il faut goûter. Très bien. Eh bien, est-ce qu'on écoute le sonal du conseil de voyage? Oui. Et qu'on s'en reparle juste après? Absolument. C'est parti. Le conseil de voyage cette semaine m'a été apporté par la caissière de mon Dollar Store. Il y a à peu près 2 heures, je me suis arrêté pour faire quelques emplettes. Et à la fin, même au début, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle me parlait, elle me disait « Love, honey, sweetie », tout ça. Et je me dis, je suis habitué, parce que ça, c'est un truc vraiment du sud des États-Unis. Je me suis mis dans la peau d'un touriste européen. Il est possible qu'on se dise « Ouais, mais j'ai un ticket, là !» Ouah, dis non, mais elle me drague et tout. Non. Et pas du tout. Non. Et après, tu t'aperçois que le client d'après, c'est une femme, par exemple, et qu'elle lui dit pareil, hey, sweetie, honey, love, machin. Ça, c'est typiquement le Sud. Oui, oui, oui. Il y a les serveuses de diner, de resto et tout ça. C'est vraiment, hey honey, how you doing, sweetie, machin. Ouais, ouais, ouais. C'est pas du tout qu'elle te fait du gringue. Non, non, non. C'est le langage affectif. C'est un peu comme... Un CV de ma naine, c'est un grand truc, ça, ma naine. C'est mon aîné. C'est-à-dire que vous ne vous faites pas draguer, ne vous inquiétez pas. Non. Gardez votre numéro de téléphone pour vous. Non, ça n'est pas une ouverture, vous n'allez pas conclure. Non. Et c'est tout simplement la façon de parler des gens du sud des États-Unis dans les commerces, quoi. Oui, oui. Je voulais parler de ça un petit peu, j'ai trouvé ça un peu rigolo. Est-ce qu'on passe au coup de cœur, monsieur? Coup de cœur! On en a un commun. Ben voilà. Qu'on a eu hier. Mm-hmm. Et moi, je vais en ajouter un autre. Oh, c'est trop, après. Alors, vous avez pu entendre en fond sonore, quand on était dans la brasserie, en début d'épisode, une espèce de musique assez, comment dirais-je? Lancinante. Lancinante.
qui berce un petit peu berçante et tout. Voilà. Eh bien, on était dans la brasserie. Il y avait vraiment... Quand on est arrivé, il y avait combien de personnes, Stéphane? Deux. Mmh. Donc on a doublé la capacité du bar et on était tout d'un coup quatre. Et il y avait le barman, l'employé qui était de garde hier. Donc c'était un jour de semaine. Alors bon, c'était un jour de semaine un petit peu spécial parce que c'était férié. Mais en général, c'est le jour férié où les gens restent chez eux et font des barbecues et tout ça. Ou alors font des achats dans les grands supermarchés aussi, parce qu'il y a des prix. Oui. Ou acheter des voitures aussi, par exemple. Mais la plupart des gens vont chez les uns les autres pour aller pour se baigner dans la piscine et puis faire du barbecue, etc. C'est une espèce de journée comme ça, un peu champêtre. Et bah donc dans la brasserie hier, il n'y avait pas grand monde parce que c'était pas vraiment le jour, et justement ce qui nous a bien plu. Et tout ça pour en arriver à la musique que vous entendez en fond sonore. On s'est dit, bon, qu'est-ce que c'est la radio. On a entendu un morceau, on s'est dit, tiens, c'est sympa morceau. C'est pas mal. Alors j'ai utilisé mon application Shazam. J'ai dit, tiens, ces trucs, mais je ne connaissais pas ça. Et le morceau suivant, c'est pas mal non plus, dis donc, Shazam, plouf, mais je ne connais pas non plus ça. On est tombé sur une espèce de galaxie d'artistes, un peu dans le même style. Les morceaux étaient tous un petit peu comme ce que vous entendez en fond sonore. Et puis, j'ai regardé derrière le bar et je vois que c'était le barman et je vois qu'il avait une playlist Spotify. Voilà, moi je ne le dis pas parce que je suis un peu en froid avec ce site pour des raisons qui me sont personnelles. Voilà, entre autres, j'aime pas vraiment leur business model, donc c'est un petit peu d'exploitation, mais enfin quand même. Et puis bon, voilà, ils nous ont viré Manu Militari sans explication avant ni après. J'ai envoyé plein d'emails. Enfin bon, voilà. Tout ça pour dire que bon, c'est pas le service que je préfère. Non. Mais j'ai vu que c'était ça se voit de loin, une playlist Spotify et sur l'écran du gars. Et au bout d'un moment, mais morceau sur morceau sur morceau qu'on a apprécié, je me suis dit, bon, je vais lui demander ce que c'est. Mm-hmm. Et il me dit, c'est ma playlist perso. C'est moi qui l'ai faite. Parce que bon, il y a des playlists déjà faites de par style ou par artiste. Genre, si vous aimez tel artiste, voilà la playlist, puis t'en mettes des wagons. Ben non, lui, il s'est fait tout seul. Alors, je vous le dis. Alors, c'est marrant parce que j'ai eu l'impression que. Il me l'a dit un peu à contre-cœur, quoi. C'était pas genre, parce que des fois, quand tu parles à un passionné de ce qu'il aime, c'est genre, oh ouais, et puis là, tu peux plus les arrêter, quoi. Mm-hmm. Non, lui, j'ai vu que c'était. Non, c'est moi. Il s'est arrêté. Et je lui ai dit, c'est quoi? Enfin, tu vois, il a fallu que je lui. Mm-hmm. C'était pas du genre, alors ça s'appelle comme ça, et tu peux le trouver, Parce que moi, par exemple, si vous, chers auditeurs, auditrices sur les réseaux, si vous me demandez ça m'est arrivé. Si on a une playlist de musique louisianaise, je vais me mettre en quatre, je vais aller chercher le lien, je vais te balancer le lien, enfin je vais être motivé pour la partager. Le gars, j'ai eu l'impression qu'il avait un peu envie de se la garder pour lui, tu vois. Ouais, c'était bizarre. Il me l'a dit un peu à contre-cœur. J'ai dit, d'accord, tu vas badoler ta playlist. Badoler, oui, j'ai payé. Ça s'est fait. Bon, et donc le gars s'appelle Morgan Caps, à la Morgan, donc comme Morgan de toi, M-O-R-G-A-N, plus loin Caps, C-A-P-P-S, donc il y a deux P. Et la playlist en question s'appelle Levity Has Left. Donc Levity Has Left. Mm-hmm. Voilà, et on trouve des gens absolument inénérables comme Grégory et Alan Isakov, Masego, Rayland de Baxter. Ah oui, ça, j'ai un petit peu cliqué pour voir. Oui, ouais, voilà. T'étais allé voir chez Rayland de Baxter. Oui. Et alors son petit succès, parce qu'il y en a d'autres sur sa playlist qui n'ont pas beaucoup de succès. Il y a le Swim, il y a Johnny Swim. Je n'ai pas encore regardé. Ah, Johnny Swim, il est un peu plus, jazzy. Jazzy, mais j'ai bien aimé. Elle a bien aimé Jazzy. Johnny Swim. moi, j'aime bien Rayland de Baxter. J'ai bien aimé son blaze. Ouais. Donc tout ça pour vous dire que voilà, si vous voulez, si vous aimez la musique que vous entendez en fond sonore, ben il y en a plein. Ouais. Il y en a plein et en même temps il y en a pas beaucoup, j'ai envie de dire, parce que elle fait 47 minutes sa playlist. Ouais. En même temps, si vous voulez vous immerger dans l'ambiance sonore dans laquelle nous étions. Oui. Voilà. Absolument. Bien. Vous vous imaginez dans une brasserie, dans une taproom en Louisiane, un lundi où il n'y a personne, et vous prenez une bière, vous fermez les yeux et vous y êtes. Et voilà. Avec Rayland de Baxter. Absolument. on dirait Lynn Renault. C'est un chic type qui nous vient des États-Unis d'Amérique. Ça fait un peu acteur américain des années 40. Rayland de Baxter.
Voilà, et donc on a vraiment beaucoup aimé cette playlist. Oui. Au passage, en parlant de playlist Spotify, je ne les aime pas, mais j'ai quand même un compte. Et moi, je ne paye pas. Hein. Je ne leur donne pas d'argent. Hein. Pas exagérant non plus. Bon, tout ça pour dire. Mais on a quand même une playlist Outlaw Country qui doit faire 4 ou 5 heures. Mm-hmm. Et une playlist de musique de Louisiane. Louisiane aussi, avec du swamp pop, avec du zydeco, avec un peu de blues. Enfin, c'est vraiment de la musique cajun et tout. C'est vraiment un florilège de musique de Louisiane. Vous pouvez trouver ça. Je crois que ça s'appelle Binous USA et musique de Louisiane. Quelque chose comme ça. Vous pourrez trouver ça assez facilement. Sinon, demandez-moi par les réseaux. Je vous envoie un lien. Et puis voilà. Donc c'était notre coup de cœur commun. C'était la playlist de Morgan Caps, qui s'appelle Levely Has Left. Alors, ce qui serait rigolo, c'est que tout d'un coup, parce que moi, j'étais le seul à liker, parce que j'ai liké, et là, je vois, il y a un seul like. Vous likez? Je likez. Mais je suis le seul à liker. Mais si un jour, il se réveille et puis qu'il a 12 likes, tout d'un coup, il va se dire, qu'est-ce que c'est? C'est Binous. Mais voilà. C'est l'effet Binous. Alors, allez-y, balancez-lui des likes à Morgan Caps et ça va le faire délirer. Il va se dire, qu'est-ce qui se passe? Je suis célèbre. Moi, j'ai un deuxième coup de cœur. Quel est-il? C'est un documentaire en deux parties qui vient de sortir sur HBO. Voilà un service sur lequel je veux mettre un coup de projecteur parce que j'aime beaucoup HBO, HBO Max. Bon, je ne sais pas si vous, je crois que vous avez par des moyens un petit peu, comment dirais-je, détournés en Europe, mais ici. HBO Max, écoute, si je devais, j'ai plusieurs, services de visionnage. De visionnage en flux continu. Voilà, j'essaie de ne pas dire des mots anglais. Et si je ne devais en garder que deux, ça serait Hulu et HBO Max. HBO Max, ils ont une collection de films, surtout des classiques, qui est absolument extraordinaire. Des choses du genre de Citizen Kane à Bout de Souffle. Le vrai à Bout de Souffle, hein, je te parle. Ouais. Je te parle pas du remake avec Richard Gere dans les années 80. Non, le vrai avec Bebel, quoi. Voilà, quoi. Il y a Bebel sur HBO Max. Hein, faut le faire. Normal. Il y a aussi Jacques Tati, il y a mon oncle, il y a... Ton oncle Il y a mon oncle est sur, il est sur HBO Max aussi. Jeannot, salut Jeannot. Tout ça pour dire que le documentaire s'appelle George Carlin's American Dream. George Carlin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Stéphane, ça te dit quelque chose, George Carlin? Pas du tout. Pas du tout. Il est très très connu aux États-Unis. Il était comique, stand-up. Et c'est quelqu'un qui, le documentaire retrace sa vie et son œuvre, j'ai envie de dire, pour utiliser une expression consacrée et galvaudée. C'est pas le gars qui faisait du Presley, à un moment donné? Pas du tout. Ça, non. Ah non, ça c'est Andy Kaufman. Ah ça. Voilà, celui-là je connais. Ouais. Pas du tout. Non. George Carlin, c'est quelqu'un qui a commencé, je crois, à la radio, à la télé, c'est des choses un petit peu... comment dirais-je, un petit peu prime sautière, un truc un petit peu farfelu, mais bon, gentillet. Mmh. Et petit à petit, il a évolué, il s'est réinventé. Et il a, les 20 dernières années de sa carrière, c'était waouh, c'est assez, c'est vraiment bien. Il a les dents bien aiguisées et vraiment, il déconstruisait un petit peu la société américaine, le système américain, la religion. Tout ce genre de choses, c'était quelqu'un, mais il est mort il y a plusieurs années. C'est quelqu'un dont les gens, justement, ils en parlent dans le documentaire. C'est que beaucoup, beaucoup de gens en ce moment, des choses qui se passent en ce moment, tout ce qui est des fusillades, l'écologie et tout ça, c'est des choses, ils vont ressortir des extraits de stand-up de George Carlin d'il y a 20 ans, 30 ans. Écoute, c'est encore d'actualité. Ça m'a fait penser un peu, tu sais, à Coluche quand il parlait de politique, qui descendait un petit peu les hommes politiques et tout ça. C'est des choses qu'on peut ressortir aujourd'hui et qui sont toujours d'actualité. George Carlin, c'est ça. Et c'est très touchant parce qu'on voit, sa vie, sa carrière, etc. Et c'est quelqu'un qui est très attachant et qui était très intelligent. Et il y a des choses qu'il dit dans son stand-up et tu te dis, waouh, c'est bien dit, c'est bien trouvé et c'est bien analysé et c'est des choses qui font réfléchir. Et donc, c'est très intéressant au niveau humain de voir sa carrière, etc. Et en même temps, il balance des truth bombs, comme ils disent aux États-Unis. C'est-à-dire, tout d'un coup, il te balance deux phrases. Et tu te dis, waouh, c'est vrai, j'avais jamais pensé, ou j'avais déjà pensé, mais j'avais pas mis en ces termes. Enfin, bref, c'est quelqu'un qui était très, très intelligent, qui avait une capacité de,
comment dirais-je, d'analyse sur le monde, sur la vie, sur la mortalité, sur et tout un tas de choses, et que c'est vraiment très 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 intéressant, très attachant, un gars très attachant. Donc ça s'appelle George Carlin's American Dream, et le documentaire donc est fait en collaboration avec sa fille. Et celui qui a réalisé, c'est et là je viens de manger son nom, c'est un type qui a fait plein de comédies. Attends, je vais te le dire tout de suite. C'est Judd Apatow. Tu connais le réalisateur Judd Apatow qui a fait beaucoup de comédies, vraiment de lui, très bonnes comédies. Et bien c'est lui qui a fait ce documentaire. Mm-hmm. Et on voit des interviews de Seinfeld, de etc, de tout un tas de gens, de Chris Rock, etc. C'est vraiment très intéressant, c'est passionnant, c'est touchant, c'est à des moments ouf, on se prend deux trois revers, et on se dit ouais, c'est waouh, ouais, c'est bien observé, c'est vraiment très très bien. George Carlin's American Dream sur HBO Max. En parlant de HBO Max, est-ce qu'on passerait au 100p? Oui, parce qu'on y est aussi. Oui. Évidemment. Parce que San Pellegrino est sur HBO Max aussi. Bien sûr. Mais il faut bien le chercher. Bien sûr, oui, non, ça se trouve, sinon. San Pellegrino. Aujourd'hui, reportage sur une entreprise française séculaire, les déménageurs bretons, parfois un peu lunaires. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Dans sa course vagabonde, serre-moi fort contre ton corps. Il faut. Putain, mais faites pas attention! Il manquerait plus que la nuit tombe. On a déjà pété un vase et pris un bol d'air à l'insu des proprios. Si la nuit tombe, les milliers d'étoiles qui constellent nos vies se briseront sur le linoléum de nos fragiles destinées. Ouais, tu rigoles, mais tu rigoleras moins quand tu te feras nettoyer. Retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle, pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures, je t'en supplie, à l'infini. Retiens la nuit. Bien voilà, maintenant qu'on est rencardé sur le 100p, on passe à l'expression Cajun, monsieur. Oui, bien sûr. Allez, c'est parti, sonal. L'expression Cajun. Stéphane, cette semaine, je l'ai entendu in vivo de la bouche même d'un Cajun. Mm-hmm. C'était le même qui m'avait donné Flamonté. Mm-hmm. Si tu te souviens, Flamonté, oui, c'était faire la chasse aux wawarans, donc mm-hmm. aux énormes, comment dirais-je, aux crapauds, avec une lampe frontale la nuit, justement, ouais. pour un petit peu les aveugler. Enfin, mm-hmm. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment légal non plus. Oh. Et il m'a donné une expression locale. Alors, bon, comment vous dire ? Déjà, j'ai mis que le podcast est explicite. Mm-hmm. Donc, voilà, donc vous êtes déjà prévenus. Si vous avez des enfants ou des âmes sensibles, vous les éloignez un peu, puis vous écoutez la suite. Voilà, cette semaine, comment dirais-je, l'expression est un petit peu, quand même. Un petit peu salée. Voilà. Alors, je te la dis, je te la livre. Mm-hmm. Pisse dans son cul pour lui laver les yeux. Ouh. Je crois que ça parle de soi-même, non ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Pisse dans son cul pour lui laver les yeux.
C'est fais-lui voir la vérité. Non, c'est tout simple, c'est la même chose que fuck you. Ah voilà. Oh. C'est lui, lui là-bas, lui. Ah bah lui, c'est quelqu'un qu'on n'aime pas. Mm-hmm. Lui, il, justement, il montrait du doigt quelqu'un. Il disait ah lui, parce qu'il était un peu. Bon, je vous explique le contexte. Il était un peu jaloux d'un type qui avait un bateau absolument mirobolant avec des énormes moteurs. C'était un superbe bateau et tout. Il avait des filles en bikini sur son bateau, tu vois. Et donc lui, il est l'autre, il était au bar, tu vois, sur la berge et puis il était un peu jaloux. J'avais l'impression, tu vois. Et il connaissait le gars apparemment qui avait le bateau et il n'arrêtait pas de dire ce bateau, il lui cassait du sucre sur le gars et il a fini par dire bah lui pisse dans son cul pour lui laver les yeux. C'est-à-dire lui je l'aime pas, il peut aller se faire cuire un œuf. Ça il faut vraiment être sur place, vivre ce moment-là. T'imagines un linguiste qui irait à la recherche de mots rares ou de choses comme ça. Ça dans les bouquins tu le trouves pas. Hein. Non ça tu peux pas le trouver. Il faut vraiment être dans une situation très particulière. Oui. Ça, c'est très beau. Le gars, en plus, parle en français, sachant que l'autre ne comprenait certainement pas ce qu'il disait. Non, puis l'autre était dans son bateau, donc voilà. Il ne pouvait pas l'entendre. Mais enfin, bref, oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est en même temps, c'est codé. C'est ça, c'est comprendre qui pourra, quoi. Comprendre qui pourrit. Et voilà. Puis, il me l'a dit à moi parce qu'il. Parce qu'il est français. Bah, voilà. puis, il sait que je suis friand de ses expressions flamantées, tout ça. Ouais. Il m'a ressorti. Ça, c'est unique, là. C'est vraiment une situation. De récolte de mots et d'expressions qui sont... Il aurait fallu que tu fasses l'ethnologue et que tu restes pendant des semaines au même bar. Et avec lui, oui. Voilà. Ah ouais, oui, lui, non, mais lui, c'est un puits. Et lui... que tu sois en confiance aussi, parce que voilà, que la personne te connaisse. Et que, bah voilà. C'est ça, tu peux pas arriver à un gars et dire, bon alors, donnez-moi une expression, il va pas dire, te sortira pas, pipi dans son cul pour les yeux. Est-ce que vous dites, comme on dit dans la paroisse de Nouvelle-Ibérie, voilà, ça, tu oublies, quoi. Non, là, en fait, tu fais œuvre d'ethnologue. Absolument, ethnologue binouze. Binouze, ouais. Et justement, t'es dans un bar, t'es en train de boire une bière, donc voilà. Et ça, vous ne l'entendrez que sur binouze. Ouais, ça, oui. Pisse dans son cul pour lui laver les yeux. Ça, vous pouvez le prendre, c'est gratuit, vous pouvez l'utiliser au quotidien, quand quelqu'un vous agace, voilà. C'est l'expression cajun de la semaine. J'ai trouvé ça très imagé. Ouais. c'est remarquable. T'as chopé un truc, tu vois. Oui. Moi, je te donne le doctorat d'ethnologie. Ah oui, quand il m'a dit ça, mais je lui ai dit, mais il faut que je le mette dans un musée, ce trip-là. Il est formidable. C'est un vieux grincheux, cajun, c'est extraordinaire. Et puis, plus il boit, plus il est graveleux. C'est ça. Écoute, ce gars, il est fantastique. Si vous le voyez, un jour, je vais prendre sa photo. Allez, la prochaine fois que je le vois, je vais faire un selfie et... Et je vais le poster dans un mois, je crois, aux alentours du 4 juillet, on sera de retour. Et s'il est là-bas, je fais un selfie avec ce gars, je le poste et vous saurez que c'est le gars qui dit flamanté et pisse dans son cul pour lui laver les yeux. C'était l'expression cajun. Est-ce qu'on passe à la pub? Oui, quand même, parce que là, on s'écarte vraiment du sujet. Pub. Aujourd'hui, podcut.studio s'associe avec patreon.com/podcut. Pour rendre hommage à un sportif mondialement connu, trop tôt disparu. Thanks Maradona for the player you've been. Thanks Maradona for everything you did. Thanks Maradona, you and God were cheating. Thanks Maradona. Bien voilà Stéphane, un épisode dans lequel on a renoué des liens avec une bière qu'on avait un peu perdu de vue. Oui, oui, oui. Et c'était des retrouvailles assez plaisantes. Oui. Un petit peu étonnantes même. Oui, oui. Alors je vais faire une confession à nos auditeurs, à nos auditrices. J'ai fini mon verre, mais je n'avais pas envie d'en boire une deuxième. Pareil, oui. On s'est dit hors micro qu'il t'en reste deux, c'est un pack de quatre. Tu vas peut-être en boire une dans quelques jours et puis la quatrième éventuellement plus tard. Beaucoup plus tard. C'est pas une bière de soif. Non, c'est pas une bière session beer. Non, c'est pas un nouveau genre. C'est un peu l'inverse de la session beer. Oui, exactement. T'en bois une, mais t'es content. Voilà. Et puis c'est fini, quoi. Voilà. J'ai même envie de dire que format plus petit serait mieux pour moi parce que j'ai eu du mal à la finir. Ouais. Ça doit être une période pour moi, je ne sais pas pourquoi. Hier, j'ai pas pu finir ma West Coast IPA chez Gnarly Barley. J'ai ramené la moitié du verre. Je sais pas, je dois passer une période dans laquelle ça ne me plaît pas trop, ça ne me revient pas.
Mais c'est très très bon, mais simplement, c'est, voilà, c'est à petite dose. C'est bourratif. Oui, c'est ça. Au niveau des calories, de l'alcool, etc. Ce n'est pas quelque chose... Bah, souvent, ils parlent de bière sur les descriptions, sur les sites. Une certaine qualité de je ne sais pas quoi vous donne envie de boire une deuxième... Non. Et là, c'est pas ça. Non. C'est pas ça. On peut pas lui donner cette qualité-là, quand même. Mais c'était vraiment très, très appréciable, très sympathique de renouer un petit peu le lien. Mmh. On va... Oh oui, c'est le moment de faire le retour du retour. Le retour du retour. Oui, je voudrais envoyer le retour du retour cette semaine à Lisa, Lisa Lee sur Twitter, qui a posté une très belle photo l'autre jour de la Velvet Crush, j'ai envie de dire. C'est un... Je crois que c'est chez... J'ai envie de dire Founders, peut-être que c'est... Ouais, c'est ça, je crois que c'est Founders. Je crois que c'est une Imperial Brown Ale avec genre de... Je sais pas quoi, de la vanille vieillie en fût. Enfin, c'est un truc... si on la trouve ici, il faudrait se la procurer parce qu'apparemment, elle est très, très connue en Europe. Elle est très appréciée. Tout ça pour dire que le retour, c'est qu'elle a posté une photo de cette bière sur Twitter, qui était très jolie d'ailleurs, c'était une belle photo. Et elle nous a remercié pour l'avoir un petit peu aidé à apprécier ce genre de bière, parce qu'elle disait, avant d'écouter Binous USA, je n'aimais pas ce type de bière, et maintenant, je m'y suis mis et je me régale. C'est vraiment un plaisir, merci à vous de m'avoir un petit peu ouvert un petit peu des horizons, etc., grâce à votre podcast. Et j'ai trouvé ça adorable. C'est une des missions qu'on s'était donné un petit peu, de vulgariser un peu des styles qui sont pas forcément très, très populaires. Et c'est-à-dire que j'ai l'impression que ça marche. C'est-à-dire que semaine par semaine, après semaine, vous écoutez nos émissions et vous vous dites, tiens, allez, celle-là, je vais essayer. C'est pas un style que j'aime beaucoup, mais pourquoi pas. Ben, c'est la démarche que j'avais faite un petit peu. Ça m'a un petit peu fait ça, la façon de faire ce podcast. Par exemple, les stouts, moi, j'étais pas du tout stout. Moi aussi. Toi, oui, bien sûr. Oui. Ben, toi, bien sûr. Toi, tu avais de l'avance sur moi. Mais je crois que c'était... J'en parle toujours de ce stout. C'était un stout québécois, je me rappelle. Et j'avais absolument flashé sur ce stout. Et c'était la clé qui avait ouvert ce style pour moi. Depuis, j'en suis fan de ce style. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye. C'est le cheminement de dégustation qu'on essaie un petit peu de vous amener, d'être un petit peu curieux. N'est-ce pas, Stéphane? D'essayer des choses nouvelles. Et des fois ça plaît, des fois, ça plaît pas. Oui, par exemple, nous-mêmes, nous sommes revenus à ce style qui... Bon, il faut bien dire, on s'en tient loin quand même. Oui, c'est pas un style déjà. Bon, c'est déjà pas un style qu'on trouve beaucoup. Non. Et puis quand on le trouve, il faut être dans l'humeur. Il faut avoir un petit peu être dans l'humeur. Oui, là c'était parfait. Oui, mais moi hier, non. Ça n'aurait pas été absolument pas une régulière. Oh, pas du tout. C'est une irrégulière. Oui, c'est pas le genre. C'est une bière irrégulière. Là, tu vois, la prochaine fois que je boirai cette bière-là, c'est peut-être dans 2-3 ans. Oh oui. Oui, bon, pas les deux qui restent. Hein, non, les deux qui restent. Mais oui, la prochaine fois, oui, c'est oui, ça. Voilà. Oui. Alors que New England, là, je viens d'en finir une et toi, tu en tiens une dans ta main. Ça sera la semaine prochaine. Oui, ou dans 5 minutes. Voilà. Donc voilà, c'est... Merci Lisa de nous confirmer que ça marche, qu'on vous aide un petit peu à être un petit peu curieux. Et à faire des expériences, à essayer des nouveaux styles. Moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est essayer des nouvelles choses, des nouvelles sensations, oui, des nouveaux goûts, des nouveaux styles. Alors, ça peut ne pas plaire. Par exemple, moi, malheureusement, j'aimerais aimer les bières acides, mais je n'y arrive pas. Peut-être qu'un jour, je vais en trouver une et waouh, ça va m'ouvrir, ça va ouvrir la porte. Qui sait? J'aimerais beaucoup la trouver. Mais tout ça pour dire que merci Lisa et chers auditeurs, auditrices, si vous êtes un petit peu comme Lisa et qu'on vous a peut-être donné le goût un petit peu de la recherche, de la découverte, eh ben c'est très très beau et on en est très content. Merci d'interagir avec nous sur les réseaux qui sont Facebook, Twitter, Instagram. Également TikTok, ça fait un petit moment, notre TikTok commence à prendre la poussière. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo, il va falloir qu'on s'y remette. On va TikToker, on va essayer, on va trouver des... Bon, déjà, on essaie de trouver deux idées loufoques par semaine pour le podcast. En trouver une troisième pour TikTok, ça fait un peu beau. J'en ai une, mais bon. Ah, pourquoi pas? Bah oui, bon, bah. Donc restez un petit peu, comment dirais-je... À l'écoute sur TikTok, mais également sur le réseau. Vous pouvez nous envoyer également un email à binoususa@gmail.com.
comme l'auditeur très gentil, très sympathique que j'ai cité tout à l'heure. Ça nous fait très plaisir de vous entendre, d'avoir des messages, d'interagir avec vous. On vous remercie beaucoup. Stéphane, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Parce que tu parlais de faire de nouvelles expériences, aller toujours vers le meilleur. Surtout dans un style que vous ne connaissez pas. Donc la bière qu'on a chroniquée aujourd'hui, West Coast IPA, je la classe parmi les meilleures, si ce n'est la meilleure dans ce style-là. Oui. Après, si le style ne vous plaît pas, c'est autre chose. Oui. Quand le style vous plaît, vous pouvez vous contenter d'une lager médiocre, d'une bitter anglaise médiocre, parce que le style vous plaît. Ça serait plus difficile avec une New England médiocre. Ouais, parce que c'est... Ouais, là, mais... ça serait plus difficile. Mais en règle générale, essayez d'aller toujours vers le meilleur produit. Et à partir de là... À partir de là, vous pouvez fouiller. Voilà. Si vous commencez avec un produit qui est au mieux un marchepied ou carrément une très mauvaise imitation, ça va vous dégoûter du style. Ah oui. Et ça sera très injuste. Oui, 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 absolument, absolument. C'est très bien dit, Stéphane. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à dire une seule chose. Binous. We should watch them. We should watch them. We should watch them.